amis qui sont en face de nous, là, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadia? Une chose très simple. Mais oui, ils ont surfé sur le site France 3 Provençal. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous avons surfé. D'ailleurs, nous sommes des surfeurs des neiges. C'est ça, vous avez. Il y a Blanche-Neige, une surfeuse des neiges. Voilà, on va les présenter tout de suite. Vous avez cliqué sur l'onglet de l'émission 13h avec vous. Et puis, vous nous avez proposé votre candidature. Et oui, parce que sur notre site, Nadia, il y a un petit encart qui permet de s'inscrire, de raconter son histoire. Et si cette histoire nous séduit, eh bien nous vous invitons à venir nous en parler. Et on n'a pas résisté à inviter sur notre plateau les crétins des Alpes. Une partie quand même significative du groupe Les Crétins des Alpes. Ouais. Ouais, instantanément, on a souri quand on a vu ce nom. Et déjà, c'était gagné d'avance. Vous savez que c'est déjà gagné d'avance quand on entend votre nom. Parce que quand on s'appelle Les Crétins des Alpes, et attention, on précise le nom, les L-A-I-D-S, c'est-à-dire moche. Pourquoi, d'ailleurs, pourtant, vous êtes très beau, oui. Crétin au pluriel des Alpes. Le nom Les Crétins des Alpes avec L-E-S était pris par un groupe de musique traditionnelle, alors on ne pouvait pas les concurrencer, on ne voulait pas qu'on nous confonde. Fistre. Et donc, quand on a lu ça, on s'est dit, tiens, des gens qui ont un peu de dérision sur eux-mêmes, ça nous intéresse tout de suite, évidemment, de parler de dérision. Expliquez-nous de quoi il s'agit quand on parle des Crétins des Alpes. Les Crétins des Alpes, c'est avant tout un groupe de rock, mais c'est aussi un petit collectif, c'est-à-dire que, à part la musique des crétins, nous avons également de l'animation crétine, comme vous pouvez voir derrière moi, également donc nos clowns qui s'appellent les emboucaneurs, qui sont également des clowns cinéastes qui font des clips, des courts-métrages, etc., et qui viennent agrémenter sur scène les morceaux des Crétins des Alpes, qui sont des morceaux délirants, produit par un groupe de rock qui joue actuellement en trio. Et vous étiez-vous l'impulsion de ce groupe ou je fais partie des membres fondateurs du groupe. Le groupe a démarré en 2003. Il y avait pas mal d'alpins au début. Moi, je suis plutôt marseillais. Et puis, je sais pas, il y a eu une espèce de sélection naturelle qui s'est faite. Et petit à petit, les alpins ont fini par disparaître. Eux, ils sont de fluvaux. Ils sont très dissipés. Ah, ils sont de fluvaux, c'est pour ça. Ah ouais, ils sont intenables. On va se faire engueuler par nos téléspectateurs de fluvaux si on dit non, ça. Non. C'est super. Donc, ce groupe est ça a rassemblé beaucoup de monde après. Eh bien, il y a eu diverses formules en quatuor avec d'autres membres, et puis là, on s'est fixé sur cette formule en trio depuis environ 6 mois. Voilà. Et ce qui correspond également à la sortie de notre 3e album. Alors justement, c'est l'album Mortel, c'est ça ? L'album Mortel, oui. Dès qu'on l'écoute, on meurt. Oui, c'est pas un petit album, on va écouter tout de suite un extrait et on en parlera après. Oui, c'est un album, 16 titres qu'on a enregistré en studio professionnel, qui ça nous avec a coûté un prix assez Oui, on vient de recevoir le prix Révélation SACEM 2011. En ce qui concerne les autoproductions, il y a peu de gens qui l'ont. C'est-à-dire que vous avez fait ça à la maison aujourd'hui, la technique non. nous permet non, pas non, du tout. On a fait ça en studio professionnel, ouais. Quand même. 40 sessions d'accord. de 40 sessions d'enregistrement, 20 de mixage, 4 Bravo. De mastering. Et ça et tout ça au frais des Crétins des Alpes, c'est quand même énorme, à la sueur de nos concerts justement. On y viendra tout à l'heure peut-être pour annoncer quelques concerts. C'est pour ça qu'il faut vous soutenir, c'est pour ça que vous êtes à notre casting. On écoute un morceau de Mortel. Un extrait de Mortel, d'accord. C'est une chanson sur dans la thématique de ce qu'on vient de voir sur les nains de jardin. D'accord. Rouge bonnet, une hache aiguisée, chemise à damier. 1 mètre de haut, le nez du poivreau, barbe et gros sabots. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Quand on les cogne, ils disent rien. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Ce sont les seuls fans des crétins, ça craint. Les nains de jardin. Depuis des années à collectionner, j'en ai une armée. Petit mais costaud, j'ai un commando, tueur de bimbo. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Ils titrucident, ils font ça bien. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Mes terroristes bas alpins, ça craint. Les nains de jardin. Derrière mes tomates, des fois ils me matent. Je sens qu'ils s'éclatent. Entre eux, ils rigolent, caressent popole. J'ai peur qu'ils me violent. C'est ça que j'aime moins chez les nains de jardin. Ils ont de sacrés gros engins de chantier.
C'est ça que j'aime moins chez les nains de jardin. Quand je dois calmer leurs instincts, ça craint. Les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin. Poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin. Poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin. Poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin, poui poui poui, les nains de jardin. Bravo, on les applaudit. Merci. Bien. Merci. C'est bien, bravo, quelle performance de faire ça au milieu de la foire, c'est bien, bravo. C'est bien déjanté, hein. C'est bien déjanté, oui, voilà. Bien déjanté, mais c'est tout public quand même. Oui, tout à fait. C'est tout public. Alors, et quand on travaille sur la dérision comme oui. ça, sur cet univers un peu farfelu, est-ce qu'on a du mal à trouver des productions, à leur expliquer exactement tout le travail que vous faites? Tout à fait. On a dû, à la fois, on s'inscrit dans un créneau qui est quand même porteur en France, dans la chanson française, qui est le créneau de groupes humoristiques. Depuis Au Bonheur des Dames, Ramon Pippins, ou même Les Charlots, et plus loin de nous, les frères Jacques, les quatre barbus, des choses comme ça. Et alors justement, il faut vous soutenir, il faut, et c'est l'objet de votre casting du 13h, on va vous mettre face à une caméra Mon qui Dieu. Est là-bas, et c'est l'heure mais de faire votre annonce. Je n'ai fait qu'un casting une fois, c'était chez Marc Dorcel, et ça s'est mal passé. Quoi. Celui-là, ça ira beaucoup mieux, allez-y, c'est parti. Ok, c'est parti pour le casting. Alors, on est les Crétins des Alpes, on a plein de projets. Cette année, on va jouer dans plein de bons festivals. On va jouer au Festival de la chanson française d'Aix-en-Provence, où on risque de prendre la place de nos cousins, les Fatal Picard. On risque aussi de jouer au Vieille Charrue, qui est un des plus grands festivals français. Mais en plus de ça, on joue samedi à Avignon, au Clash Bar, et le 8, le samedi on d'après. On sera avec vous, les Crétins des Alpes. À Corbière, avec les chevreuils, nos amis. Il y en a un qui n'est pas des Alpes du tout, mais qui pourrait très bien avec votre groupe. C'est Jeff Carias, qu'on retrouve tout de suite.